Allez, poursuivons cette superbe histoire. Oh yeah. Renardo résista à l'envie de déclencher l'oculum jusqu'à ce que le moment fût venu. Il sentait son énergie obscure impatient d'échapper au carcan qui mise au point la saga. Au moins, il ne dévorait pas vivant et c'était un vrai plus. Il était plutôt fier de lui. Il avait sauté un ami et aidé les rebelles. Il s'était fier à lui-même tout en écoutant les conseils des autres. Il avait l'impression d'être un héros digne de ce nom, sage mais décisif. Calaveras avait affiché une telle certitude quant à l'efficacité de l'arme. Il pouvait peut-être utiliser un petit peu sans que cela soit grave, non? Seulement en cas de nécessité absolue. Utiliser l'oculum pour son empereur. Ah, il manque des minéraux, il en faut 30. Pour ça, il fallait pas utiliser les minéraux tantôt, j'ai fait une erreur. Non, je peux pas l'ouvrir. J'ai pas d'épée pour. Tu n'étais pas si bon que ça, pas encore. J'ai pas de points disponibles. J'étais au hasard. Ça. Le portail était étroitement gardé. Il devait conduire dans un endroit qu'on peut vraiment risquer. Oh. Ouch. Ah, je me rappelle de ça. Fracas de Renardo. Que pouvons-nous accrocher d'autre?
Bon, 150. Oh, il n'y a pas de retour en arrière, putain, parce que... Ça sent pas... Ah. Voyons, en tabarnak! Y'a quelqu'un qui m'a tapé qui m'a vraiment fait mal. Ah, bon. Je suis rendu au début. Mais ça, si t'as pas l'épée, ça donne rien. Mieux que rien. Il y avait une inscription. Louez le soleil. Ouais, il m'a fait mal. Le bras Renardo commence à fatiguer. Et il ne jouait plus. Sa santé encore me fait des endurances. Ah! Et l'endurance. Toutefois, il avait l'oculum. Il déclenchait de temps en temps des rayons de la mort quand les corbeaux l'assaillaient. L'oculum semblait se chauffer, tirant de plus en plus, mais il valait peut-être mieux de laisser refroidir. Renardo décida d'arrêter de tuer une fois pour toutes. Calme-toi, là. Renardo se sentait un peu mieux. Qui m'a tué? Oh, il était là, lui! Je le voyais! Je pensais qu'il était mort. Hey, Degrati ici! Hey, Degrati! How are you? Do you speak English? Yeah. Sorry, I don't speak French. I was once. Was in a swirl of newly remembered. I speak French. He needed to focus. Il était un tourbillon de connaissances ravivré. And you're from where exactly?
I like that game. It's really in French, and I like the concept. Yeah, different story and a lot of possibility. Oh, welcome to my channel, my friend. Oh, Robbie, I saw you talking with you one year ago. Maybe it's not you, maybe it's another one. But welcome. Ah, I remember that one. Les ennemis équipés de boucliers bloqueront vos attaques. Attrapez et lancez un autre combo sur lui. Et le bouclier sera éjecté. Ok, ouais, ok. C'est correct. Voyons. Non! Oh! Not me, I just started about 2 months ago. Oh! Hey, don't worry. It's not the first one, it's not the last one. Anytime. Étrange, la surface de l'oculum était encore brûlante. Il lui semblait même qu'elle était de plus en plus une impression ridicule, bien sûr. De toute manière, il ne lui reste qu'un seul tir à effectuer. Il pourrait ensuite jeter l'engin dans les abysses. Et le vaisseau de l'Empereur était maintenant à portée. Renardo le plissa les yeux, il pouvait distinguer les corbeaux en charge de protection du vaisseau aligné et Zenobia, devant eux formulant ses sorts et sur le pan. Oui, c'était sa majesté impériale en personne faisant les 100 pas dans son armure en or. Renardo visa et tira. Pris dans le rayon, le vaisseau prit en feu, les corbeaux et Zenobia furent victimes de l'explosion, tout comme l'Empereur. Renardo attendait que le rayon s'arrête, mais il devint de plus en plus lumineux et l'oculum de plus en plus chaud. Oups. Paniqué, Renardo le tira l'oculum vers les abysses, le rubis prit feu et les carcans en métal brillants rougeoyèrent avant le fondre. Une bonne nouvelle à présent, le noyau pourrait refroidir, non? Renardo courut, l'explosion brûla vif et réduisit ensemble les deux flottes. L'onde de choc fut ressentie dans tout Erda. Cet hiver-là, les brigands s'emparèrent des îlots car ni l'Empire ni les rebelles étaient là pour faire régner l'ordre. C'est ainsi que débuta la deuxième ère des ténèbres. Voyons, Adam. Ok, c'est bizarre. Il aurait pu jurer qu'il venait de mourir. Au lieu de ça, il était au bord du Farfaré, s'éloignant du bar et la cité était toujours en flammes. Cela faisait des années qu'il avait fui la cité du bar en flammes, non? Et il se trouvait là, à nouveau, toutes ces années de lutte, quand l'Empire n'avait été qu'une vision de l'avenir. Une vision utile, certes. Il avait pris quelque chose. Le noyau était puissant, mais dangereux si mal utilisé. Un héros qui cherche l'équilibre, qui prend des décisions sages mais décisives. Le renard qui avait mal au genou, histoire 18. Aptitude niveau 2 déverrouillé, le noyau de Sky Reaper est instable. Nouveau lieu déverrouillé, le temple du désert. Histoire 1. C'est moi qui choisis au hasard ou... Où je dois appuyer Y plutôt. Trouvez les trois vérités restantes. Il y avait fait un mauvais choix. Mais maintenant, quand la vraie bataille aurait lieu, il ne ferait pas ces choix-là. Il ne reproduirait pas les mêmes erreurs. Les pages du livre commencèrent à se tourner à l'envers, en direction du début. Puis il réalisa que son aventure ne faisait que commencer. Les nuages flottaient au-dessus de l'îlot de Boréa. Les moments étaient venus de choisir. La rébellion avait des ennuis. Des corbeaux cherchaient la base secrète de la rébellion. Ils devaient trouver un moyen d'inverser la tendance.
Des morceaux de Skype avaient refait surface. Renardo savait que l'utiliser pourrait s'avérer catastrophique, mais était sûr de pouvoir comprendre comment utiliser en toute sécurité. Comment l'utiliser en toute sécurité. En outre, un temple avait surgi dans le désert. L'empereur avait fait remonter un morceau de Skype à cause de ses rituels infâmes. La pierre Ibis pouvait-elle être cachée à cet endroit? Il vaudrait mieux que quelqu'un mette la main dessus avant lui, pensa Renardo. D'un autre côté, le vieil ami Lapido avait besoin d'être sauvé encore. Ce n'était pas Lapido qui avait changé la donne, mais Renardo pouvait-il vraiment laisser un vieil ami à la merci des corbeaux? On ne peut pas... On a trois choix. On ne peut pas raviver d'anciennes amitiés. La rébellion était... On a déjà fait ça. Si je fais ça, c'est la même chose. Fabriquer le Sky Reaper. La rébellion était à court de temps et Renardo devait changer la donne. Un ancien artefact qui avait vaincu les dieux disparus ferait incontestablement la différence. Bien qu'il avait été séparé en deux parties de nombreuses années auparavant, Renardo pouvait le reconstruire en retrouvant d'abord son armature. Tous les enfants connaissaient l'histoire de Sky Reaper. L'empereur transcendant l'avait mis en pièces et l'enterrait profondément. Puis les sacrifices horribles de cet empereur les avaient fait remonter à la surface. Renardo n'était pas complètement sûr de savoir comment utiliser l'arme légendaire, mais il devait forcément y avoir un moyen de faire sans provoquer une autre catastrophe. Avait-il une manière ou d'autre d'invoquer les éléments de l'arme légendaire disparue depuis longtemps dans les entrailles de la Terre? C'était plus que Renardo pouvait comprendre, mais il pouvait trouver une arme légendaire s'il l'utilisait, s'il l'utiliserait. Lorsqu'il mit les pieds sur l'île, Renardo ne put s'empêcher de ressentir une pointe de culpabilité. Il avait abandonné Lapino. Il espérait que le lapin Toki avait trouvé un moyen d'échapper au corbeau. Il espérait qu'il ne l'avait pas dévoré. S'il était le cas, il espérait qu'il ne l'avait pas mangé vivant. Pourquoi avait-il choisi Sky Reaper? C'était impossible pour Renardo d'élaborer des plans qui nécessitaient une vigilance constante. C'est un héros et il ne réfléchissait pas trop. S'il fiait à son instinct et espérait que ça fonctionnerait. Utiliser le Sky Reaper avait peu de chances de réussir. Il devait se consacrer à cette arme, à aucun périple secondaire, à aucun sauvetage d'ancien ami. C'était contre sa nature. Pourrait-il s'y tenir? Tout est possible. On a laissé un petit gars mourir. Que pouvait-il fabriquer avec les matériaux dont il disposait? Renardo avait une assez bonne idée, en fait. Wow. Un jour, Renardo s'était rendu à un donjon où tous les coffres avaient des dents et des yeux. Il ne s'était pas éternisé. C'est une histoire. Les coffres avaient des dents et des yeux. Il y avait même un nom, il s'appelait Charlie Nini. Il faut 70. On pourrait le faire tout de suite. On verra. Ah, ça tue. C'est ça qui aurait vraiment besoin d'un coup de main.
pas Playa, ça scellait. Ah hein? Oh, est-ce qu'il y avait un mur? Les gens qui avaient construit ce château savaient-ils seulement que quelle arme monstrueuse était cachée entre ces murs? À croire les légendes, le Sky Ripper pouvait détruire tout ce qu'il touchait lorsque l'Empereur s'en transcendait et avait combattu les dieux disparus. Des milliers de personnes avaient perdu la vie. Mais Renardo avait traversé de nombreuses guerres. La guerre clémente avait été de courte durée. S'ils ne voulaient pas que leur objet soit cassé, il fallait vraiment qu'ils les consolident. Deux, il m'en faudrait trois. Les corbeaux! Ouch! Ouch! Yoï! Il y en a trop. Il y a tout le temps un tabarnak qui vient me faire ça dans le dos. Ouch. Bernardo rubbed the fruit into his wounds. He felt better already. Bon, ça, j'y arriverai pas. C'est violet qu'il faudrait. Un violet, je peux pas l'avoir. Say goodnight, Gracie, said Renardo, wondering who Gracie was. Tabarnak! Ouch! C'est sûr, tabarnak. Il a été promis cake. Those sheaves were really very well made, weren't they?
cipher? That was new. Most people still use doorknobs. Peu importe. See? Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Okay. What were these poles exactly? Parking meters from the time of the lost gods? Pourquoi un poteau là? Ah non, oui. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que les héros ont de l'allure, pensez à Renardo, pour voyez que de l'allure, compris? Il était là, l'armature de Sky Ripper, la chose dont tout le monde rêvait. Les ingénieurs, du moins. Le dispositif était complexe. Aucun être vivant n'avait les compétences pour faire un truc pareil. Est-ce vraiment une partie d'une arme? Il devait poser la question à un scientifique. Mais d'abord, il allait récupérer le deuxième élément. Le Sky Ripper avait un cœur, un noyau, qui se trouvait sur l'île suivante. Où? Il est bien un autre. Zenobia venait juste de l'envahir avec les bataillons de Corbeau et son père. Elle devait toujours s'y trouver. Mais affronter Zenobia maintenant, ça n'avait rien vraiment aucun sens. Il avait déjà sacrifié un ami pour obtenir cette armature, hein? Il n'avait pas besoin de dépêcher de l'affronter. Elle le trouverait. Elle sera même pas là, ouais. La question ne posait pas. Il avait sacrifié son bien ami Lapino pour obtenir la mature, et ceci était inutile en même temps. Ce n'était qu'une série de ressorts et de roues. Toute guerre était accompagnée de son lot de sacrifices. Il était en fait davantage avant qu'elle ne s'achève. Il devait devoir faire son choix dans l'intérêt. Zenobia, eh bien, il verrait tôt ou tard sur un champ de bataille ou au bout d'une épée avant que cette guerre soit finie plutôt. Il était sûr. La puissance résidait dans le noyau. Manifestement, il devait trouver le noyau.
Le doute s'insinua dans son esprit alors que les farfarés étaient encore portés de la vue. Pourquoi avoir choisi le Skyripeur? C'était le genre de chemin qu'il avait toujours évité d'emprunter, celui de la responsabilité. Avait-il mûri? Le doute s'insinua. Il ne se sentait pas plus mûr. Il avait pris cette décision d'instinct comme à chaque fois. D'une certaine manière, il avait décidé sur un coup de tête de ne plus agir sous les coups de tête. Tout cela n'avait aucun sens. Ne regarde pas en bas, mon petit lapin. Sa mère ne l'avait jamais laissé utiliser son épée dans la maison et il se dit que c'était sûrement une façon pour lui de compenser en brisant tout. Oh, yes. Je vois rien, Carlis. Oh, nice. Ah, Michel. Ah oui, c'est beau ça. There was something. Il y avait quelques odeurs âcres dans l'air. Comme si la terre avait finalement craquelé, révélant quelque chose qui germait depuis longtemps. Le mur de feu ne lui laisse pas passer. Qu'est-ce qu'il pense que vous êtes chaud comme la braise? C'est très très rare de voir des montreuils sauvages comme ça. Les crapauds devaient les dresser. Mais pour qu'ils ne se donnent pas des coups de bec jusqu'à la mort, ceux-ci devaient donc être des monstrueux impériaux. Ça pouvait dire que les corbeaux étaient un peu plus loin. Les choses étaient aussi tendres à couper que du beurre. Du beau beurre. Miam, miam, miam. Les arbres faisaient rares, remplacés par des immenses tours cristallines. Elle était là auparavant,
Il n'entendait plus aucun chant d'oiseau, à l'exception des croissements frénétiques des corbeaux pendant leur attaque. Il ne sentait pas l'odeur des petits animaux de la forêt, des souris et des lapins. Où il était-il passé? Et puis, il commençait à avoir faim. L'endroit était malsain. Renato avait beaucoup de matériaux de fabrication, maintenant tout ce qu'il avait besoin, c'était un établi. Bon, t'as pas demandé ton opinion. Il en manque encore 20. Oh, Alice, je viens de savoir ce que je suis. I'll just have a dash, thought Renato. Oh, un gros coffre. Oh yeah. Sentait prêt à devenir plus rapide, plus fort, plus téméraire. C'est seulement il avait à comprendre lesquels. Je peux plus y retourner à ce stade, j'ai pas ça là. Shit. À quoi ça va cette porte, pensa-t-il, que personne ne remarquerait le levier? Oh. Plus de vie, c'est deux.
Sinon, je te tue, qu'est-ce qu'elle va la tuer? Oh non, je me suis trompé. Ça doit pas aller. Ah, ça c'était derrière. Elle a terminé là. Le noyau aux 20 facettes le rendait littéralement malade. Un jour, il s'était faufilé dans un temple des arts obscurs et n'avait aimé ni l'odeur. Il avait la même impression aujourd'hui et s'efforça de placer l'icosaèdre plus vite. Les roues le mirent à tourner, puis une lueur apparut, les nausées s'estompèrent rapidement. À présent, il ressentait plus que la tristesse. Il avait perdu de bons amis au nom de cette arme de guerre. Il reporta son trophée sur le farfaré. Il était temps de choisir son prochain objectif. Un avant-poste essentiel se situait à Nexus. Il s'agissait effectivement d'une sorte de super arme. Il pourrait utiliser pour semer la pagaille dans les rangs ennemis. Il avait peut-être mieux à montrer d'abord à quelques scientifiques. Un observatoire se trouvait sur le Nexus. Il était peut-être judicieux de s'y rendre avant de faire fonctionner l'arme. Demandez de l'aide aux scientifiques. Le scan Reaper était reconstitué. La super arme pouvait mettre terme à la folie de l'empereur. Mais Renardo l'avait-il vraiment assemblé correctement? Enfin, ce n'était vraiment. Au moment critique, les scientifiques du Nexus pourraient sûrement lui apporter une réponse. Moi, je fais pas confiance à eux autres. Renardo n'avait pas brillé dans ses études. À l'école d'EPIST, il constatait qu'il contenait de regarder des images des élèves et Zenobia. Mais s'y connaissait en armes. Son instinct lui avait dit que le Sky Reaper ferait des merveilles. Il l'avait utilisé pour éliminer avant-poste de l'impérial. Et que pouvait-il arriver au pire? Qu'il ne marche pas et qu'alors il l'apporterait aux scientifiques, hein? Renardo pouvait effectivement réfléchir à des choses qui étaient pires, mais il a assuré qu'elles ne se reproduisent pas cette fois, hein? Exactement. Tandis qu'il était en chemin, Renardo se demanda pourquoi ces fragments de Sky Reaper n'avaient refait surface que maintenant et des milliers d'années après que l'Empereur transcendait s'en soit débarrassé. Cet Empereur et Inzegrim III avaient effectué l'horrible rituel sanguinaire pour invoquer les dieux disparus. Ça avait peut-être fait remonter des artefacts disparus. Le fait que Sky Reaper réapparaisse pour le détruire tombait donc à point, nommé, espérant que cette fois, lui seul serait détruit. Et un jour, il avait trouvé un volume 1 de Superman en parfait état dans une jarre. Il l'avait cassé et il avait prévu de continuer à casser les objets. Ah, c'est n'importe quoi. Le fait que Renardo aime vraiment le sang se produisait son épée dans les airs. J'espère que son grappin n'avait pas cassé. Allô, Cancan, comment ça va? Ah, niaiseux.
Ça va bien? Non. Qu'est-ce que... Je peux pas aller là tout de suite. Il avait assez de massacrer de corbeaux. Il était peut-être temps de tester cette nouvelle arme. Il tourna un bouton du Skyripper, des bruits étranges de mécaniques résonnèrent, les roues tournèrent plus vite et se mit à vibrer. Le Skyripper suivait chacun de ses pas. Au moins, il le corsait comme un 100 mètres, mais il n'y avait aucune gâchette. Comment était-il censé tirer avec? Feu, dit-il. Rien ne se produisit. Bon, il avait peut-être besoin de chauffer. Après tout, ça faisait des milliers d'années qu'il n'avait pas servi. Cet endroit serait parfait pour jouer au Morpion. On manque 3. Méfiez-vous des corbeaux explosifs, des fois touchés ou lancés, ils explosent après quelques secondes, utilisez-les à votre avantage. Skyripper émettait une sorte de son strident maintenant, et ses roues tournaient si vite qu'il ne pouvait plus se distinguer. Renardo avait une idée, s'il te plaît, demande-t-il. Le Skyripper commença à rougeoyer. Boum! L'avant-poste s'embrasa. Les corbeaux s'envolèrent hurlant les ailes en feu. La base était sienne. Le crapaud télépathe arriva en sautillant. Renardo, que c'est-il? Une version crapaud de Zenobia. N'utilisez pas le Skyripper, il va détruire le monde. Mais bien sûr, rétorqua Renardo, mon œil. Si vous ne me croyez pas, allez voir Calavera s'il vous dira la même chose. Ça avait l'air sensé. Pourquoi devrait-il toujours avoir l'air sensé? C'était horripilant.
Bien sûr, c'est ce qu'aurait-il dit. Il était censé se dépêcher d'amener le Sky Reaper au conseil afin que les rebelles puissent remporter la guerre, mais si jamais elle avait raison, mince. Allez voir Calaveras. Apporter les Sky Reapers aux rebelles. Le Sky Reaper se révéla être une arme extraordinaire. L'heure était à la fête, mais Zenobia gâcha tout. Il affirma que Sky Reaper risquait de détruire le monde. Bien sûr. Elle mentait. Probablement c'était un général ennemi. Bien sûr que le Sky Reaper l'effrayait. Il devait apporter l'arme à la base de la rébellion et juste emporter la guerre. Cette fois seulement, il n'y avait pas laissé Zenobia entrer dans sa tête. Avec sa logique, sa sagesse et son imploration, à être raisonnable, c'était un renard. Il avait suivi son instinct et tout irait bien comme toujours. En s'entendant parler, même lui avait l'impression d'être un idiot peu imprudent. Mais il avait bien une chose en Renardo ne pouvait pas se résoudre à faire, c'était de revenir sur une décision qu'il avait prise. Les membres de la flotte impériale s'agissaient et croissaient tout autour des ruines. Ils devaient paniquer avec les rumeurs circulant sur la super arme. Ils espéraient peut-être trouver la base et les détruire avant qu'ils ne puissent mettre le Sky Reaper en action. Le Sky Reaper était un sens strident et chauffait. Il était temps d'utiliser cette énergie. Donc, nous continuerons cette superbe aventure demain.